Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouvel épisode de la série Track Day. Cette fois-ci, c'est au tour de la BMW E90 configuration WTCC de passer dans la série. On va s'intéresser à ce mode disponible depuis quelques jours et assez intéressant puisqu'il n'y a pas tant de voitures de Super Tourisme disponibles pour Assetto Corsa. Bien sûr, vous avez la Seat Leon Super Cup 2010 hein, qui fonctionne très bien, 2014 pardon, qui fonctionne très bien en mode de Super Tourisme. Si pas, il n'y a pas vraiment de voitures récentes bien faites, en tout cas moi je n'en connais pas à cette heure-ci. Et cette BMW donne un comportement assez particulier et très agréable dans Assetto Corsa. On est sur quelque chose de très proche de ce qui était disponible dans Re07. Vous le savez, cette plateforme de Simbin hein, qui était et encore aujourd'hui une des références en termes de super tourisme. On va parler un petit peu de cette voiture. C'est une voiture qui a couru à peu près 50 courses. Elle a remporté 5 victoires et fait une pole position dans sa configuration. Elle a surtout été double championne du monde de cette discipline en 2006 et 2007 avec à son volant le pilote dont la livrée est actuellement appliquée sur la voiture, Andy Prio, le pilote britannique qui maintenant court en GT3 notamment et en BTCC, toujours pour le compte de BMW. En tout cas, cette voiture a un comportement intéressant puisque sur la grille de WTCC de l'époque, c'était la seule voiture à transmission propulsion. C'était tout simplement une propulsion comparée aux Seat et aux Chevrolet qui étaient toutes des tractions, donc grand avantage au départ. Un comportement assez particulier de la voiture qui glisse facilement en sortie de virage, vous allez le voir. Je pilote actuellement sans aucune assistance, donc vous voyez que la voiture est plutôt facile à prendre en main. Elle a un comportement très facile, le train avant rentre très bien dans les virages et elle est tout simplement bien réalisée. Seuls quelques défauts de texture sur certaines parties sont à noter, mais globalement c'est un mode très réussi pour vos photos. Je vous laisse profiter de la suite de cet épisode. N'oubliez pas la règle, montez le son. Et si vous souhaitez vous-même tester cette BMW, le lien est dans la description.